peux rien amuser, là. Abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que j'ai ici, hein? Je vais te plumer, de toute façon. Que tu crois? T'as quoi à me montrer? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Bah, tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi ça? T'as perdu, je t'ai battu! Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Hé, hey, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé? Je t'ai interdit de poser tes sales pattes dessus! Enfoiré de mes deux! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu! Je t'ai fait mordre la poussière! Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis diante, Rackham! Tu sais pas qui t'as affaire, espèce de connard! T'as pas intérêt à toucher à mon avion, t'as compris? Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que... Je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Bienvenue à bord. Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham. Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. C'est parti. On fait décoller cette beauté. Donc, t'es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor. C'est ça. Lui-même, les grands. Hé, derrière! C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord. Tu vois cet avion devant? Il faut que tu le rattrapes. Ouais, ouais! Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai! Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi! D'accord, c'est toi le chef, apparemment.
plan, les gaz, reste sur lui. Manuel, et vit un peu. Où est-ce qu'il va maintenant? Laisse-le. Tu vois ces ballons cibles? Vérification d'armement, feu à volonté. Ça, je peux faire. Bien sûr. Pourquoi George Rackham, fils du quatrième comte de Windsor, parle-t-il comme un Américain? J'attrape facilement les accents. Je parlerai probablement comme un Français une fois les Allemands battus. Je vois. Tu es quelqu'un de très méfiant, Wilson. On ne te l'a jamais dit? Nom de Dieu! Alors fais quelque chose.
faire cravacher. Prépare ce que tu pourras depuis l'avant. D'autres Allemands ! Je les vois ! Accroche-toi à ton petit déjeuner ! Par là! Et on se lance à ses trousses! Accidentellement, où les Allemands composaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger souci. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Et on peut le refaire. On va passer un marché.
Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien, ce type. Mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine, je veux bien voir un sacré pilote. C'est sûr, un sacré pilote. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers, pour qu'ils puissent détruire cette forteresse. Avant tout, il faudrait détruire ce barrage de dirigeables. Bon sang. Je plaignais presque les observateurs Bosch. Ensuite, il faudrait s'occuper des camions de DCA. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible, quand ils approcheraient. Une mission difficile, mais une victoire ici changerait le cours de la guerre. La Belge. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est, réaction ! Ça a vraiment l'air dangereux ! Fais-moi confiance ! Allez, boucle quand même ta ceinture ! C'est facile! Surveille mes arrières! Y'en a un derrière nous! Plus.
occupez-le. Thank you.
camions ne vont faire qu'une bouchée de nos bombardiers. L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, il était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. Stimmt hier so?
Je dois dire que j'avais l'habitude de me déplacer discrètement. Les bars et leurs portes de derrière, les fenêtres de domicile conjugaux. Pas besoin de rentrer dans les détails. Après avoir éliminé ces Allemands, j'ai tiré profit de mes talents et je suis parti vers l'ouest. Aussi discret qu'un chat de gouttière. Entre les lignes britanniques et moi, il y avait des tranchées allemandes, des canons allemands. Ah, et la moitié de la population de Berlin qui cherchait à nous faire la peau. Britannique devait prendre le thé avec Biscone et lui pilonner les Allemands. Mais il fallait que je franchisse les lignes avant que ces canons ne se remettent à tonner. Ces tranchées étaient remplies de soldats d'élite du Kaiser. Avec un peu de chance, ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. Une dizaine de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitaient à me faire tout petit. Le No Man's Land était un labyrinthe de barbelés, de cadavres et de décombres. Mais j'ai tenu le cap coûte que coûte. Est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans les pas ? Wilson,
On est au milieu de nulle part, faut qu'on s'en aille. Tout de suite. Je peux plus bouger. Saleté. Je suis désolé. T'as promis de me ramener en un seul morceau. Chut, parle moins fort. Et nos médailles, hein? T'as dit qu'on serait des héros. Je suis pas un héros. Qui m'a donné ta parole? Tu me l'as joué. Alors soit t'es un homme de parole et tu vas m'aider. Soit t'es un connard de sale menteur qui va me regarder crever sans rien faire. Vas-y, décide-toi. C'est l'heure de jouer carte sur table, Blackburn. T'es pas George Rackham, pas vrai? Le fils du comte de Windsor, mon œil! Tu croyais que j'étais con à ce point-là? Allez, on se tire d'ici. Il perdait beaucoup de sang. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour le ramener en vie. Oh, ça, ça me fait mal. Regarde. Arrête, Allemand. Tu vas vers nos lignes. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner le point. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous. Les mitrailleuses sont braquées dessus. Et surtout... Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené, c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Il l'a porté à travers le No Man's Land ? Ce type est un vrai héros ! Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn.
Alors, on t'envoie te mettre au vert? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur. Wilson, moi! Je veux aider. Rackham, je peux le faire. T'as rien à foutre dans les airs. Wilson, si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi. On part tous les deux. T'es sûr que tu veux pas passer ton tour? Pas de question. Bon, je suis prêt. T'es avec moi? Bien sûr que je suis avec toi. Seigneur Dieu!
d'arriver vite par l'arrière, d'attaquer par-dessous pour éviter leur tir. Yeah.
Jeannot, on tient à rien! Rencontre-toi! Où est-ce que tu nous emmènes? Allez, sale bosse! Je t'attends! Si je dois crever, je creverai ici. Oh, toi et ta grande gueule, Blackbird. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Il faut avoir le canon anti-aérien. D'accord. Je surveille tes arrières. D'accord. Faut grimper là-haut. Regarde pas en bas. D'accord. D'accord. Mon Dieu. Regarde pas en bas. Il faut avoir le canon anti-aérien. C'est de la folie. Qui sont à bord de cette baudruche vont t'attendre. Thank you.
histoire. Celle d'un pur égoïste qui a risqué sa peau pour sauver quelqu'un d'autre. Et qui a trouvé le salut par la même occasion. Mais en temps de guerre, les faits se mélangent un peu et vous entendrez sûrement d'autres versions. Un pilote qui a volé un avion, qui a buté son pote, et qui a menti, triché et massacré sur la moitié du front occidental. Tout ça pour échapper au conseil de guerre dans le chaos d'un raid aérien. Mais n'écoute pas toutes ces rumeurs. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Si c'était des bobards, je te raconterais pas tout ça. Pas vrai ?